Salut à tous, petite vidéo détection ce matin. Voilà une petite forêt pas loin de chez moi. Je vais commencer ici, monter là-haut. Peut-être aussi un peu la forêt juste là qui est assez dégagée. Voilà, je vous reprends à la première trouvaille. Re, voilà après 3 minutes dans ce trou. Une monnaie. Alors je détecte en Deus Fast. Voilà, je vous montre où est la voiture. Elle est là en bas. Voilà, j'ai fait un tube ici. Un peu plus haut là, une boîte de conserve. Et donc là, avec un indice de 80, 85, elle est là. C'est une monnaie, enfin je crois. Je vais un peu la frotter. Là, on voit que dalle. Mise au point. Bien, ça vaut, mais ça commence bien, on dirait une royale. Ok, on va frotter un peu plus, deux petites secondes. Je la frotte. J'ai vraiment du mal à distinguer ce que c'est. Ok, je continue, à tout de suite. Là, je vous reprends tout de suite. Là, il y avait le premier trou. Juste à côté, un autre son avec un ferreux. Alors, j'ai pas regardé l'indice, j'ai pas regardé ce que c'était non plus. Elle est là. On dirait. Une dehors, on va frotter. Ouais, 5 centimes l'une dehors. Alors, c'est ma première vidéo, donc j'ai du mal avec peut-être les mises au point. Ok, ben, tout le monde sait ce que c'est une dehors, donc je continue. À tout de suite. Alors le trou de tout à l'heure avec les deux monnaies juste là, rebouché. Je vais un peu plus loin, alors j'ai pas regardé ce que c'était, ni le signal. C'est dans cette motte qui est juste là, vers le live. Je pense que c'est une merdouille, mais on va voir. C'est par là. Non, c'est une pomme de pin. Ouais, ce sent la merdouille. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, c'est rigide. C'est brillant, mais c'est pas de l'argent, je pense pas. Ok. Voilà, une merdouille. Ouais, 5 minutes après, deux cartouches de chasse ou de militaria. Là, il y a une sorte de chemin, donc je suis venu de là en bas, je monte, je monte. Là, il y avait un son à 90, 92. Et c'est un bouton qu'on voit juste là. Voilà.
mon paquet d'inscription. Ouais, léger relief dessus, mais rien de foufou quoi. Voilà. À tout de suite. Voilà, après un bon quart d'heure sans rien trouver de spécial, cartouche. Bon, j'étais tout là derrière à peu près 500-600 mètres et j'ai trouvé des trous non rebouchés, donc il y a un collègue. Donc je suis remonté, j'ai longé là le long, là là là, là je suis redescendu par ici. Et là un signal pas très net à 72-74. Alors j'ai pas regardé ce que c'est, je crois que c'est une monnaie. Elle est là. Regardez. Non. C'est bien argenté, mais j'ai pas l'impression que c'est une monnaie en fait. Je vais la frotter un peu un instant. Et ben je crois que c'est un médaillon religieux. Là-haut, il y a une petite attache. Et je pense que c'est un médaillon. Non, je vois pas grand chose. Ouais, il y a des dessins dessus, faudra que je voie au nettoyage. Dans la mise au point, c'est pas top. Voilà. De l'autre côté, je sais pas, on voit pas grand chose. Bon, je vous dis à tout de suite. Voilà, je vous reprends ici. Je suis reparti vers la voiture, j'ai croisé pas mal de trous et j'ai dû faire 5-6 douilles de cartouches. Juste là en bas il y a une petite rivière. J'ai fait les abords là de cet arbre et juste derrière, bon, j'ai déjà regardé ce que c'était, je sais plus où c'est. Ah oui, là-bas. Là. Et c'est une sorte d'engrenage, d'horloge ou de montre. Voilà. Ça va, c'est pas fabuleux, mais c'est mieux que des cartouches. Ok. Je vais continuer par là. Là, descendre un peu. Et rejoindre le petit bois qui est là. Voilà, tout de suite. Je vous reprends. L'arbre, j'ai trouvé la sorte d'engrenage juste là. Je suis descendu par là. Et voilà, au bord de ce petit petite falaise. J'ai fait un bouton. J'ai déjà regardé. C'est un bouton prussien. Avec la couronne dessus. Alors je vais regarder le sens. C'est dans ce sens. Et je crois que je vous dis des conneries. C'est un bouton avec 22 dessus. 22e de ligne, je sais pas. Alors la tâche derrière, il est complet. C'est cool. Vu la tâche, ça doit être Premier Empire, si je me trompe pas. Voilà, sympa. C'est chouette, j'aime bien. Tout de suite. Je prends pour un petit direct. Aucun son. Ils sont pas mal. À 81. Ok.
Désolé pour les tremblements. On met de la racine. On va voir ce que c'est. On est pas loin. C'est là-dedans quelque part. Mais j'arrive pas à le voir plus profond. Là, je le vois, et une cartouche. Et ouais, à toute. Toujours pour rapidement. Un truc d'harmonica. Voilà. Bon, en général, sous les racines, il y a toujours des bons trucs. Et ben, c'est pas vrai. Il y a des fers à bœufs aussi. Là, je reprends ici, je suis en train de faire ce chemin là. Ça fait bien une demi-heure, trois quarts d'heure que j'ai rien trouvé. Et dans ce trou, j'ai trouvé du militaria. Alors c'est une... je sais pas ce que c'est, un petit obus. Je connais pas le calibre. Voilà. Je sais pas s'il y a des inscriptions. C'est relativement gros. Voilà. À tout de suite. Je vous reprends un son 95. Toujours en Deusfast. C'est ça. Alors ça a l'air très récent. Une sorte de couvercle. Il y a une inscription dessus. Et l'inscription... C'est pas la taxe. Ça 16. Ça 16. Je sais pas ce que c'est. Une petite inscription aussi là en dessous. Voilà. Je continue. Bon, voilà. La cartouche, je l'avais fait juste derrière la souche là. Je suis venu par ici parce que cette pierre m'a attiré. Je l'ai soulevé. Là, on voit la trace ici. Et j'ai trouvé, juste en surface, une serpette. Voilà, sympa, j'aime bien. Voilà la serpette. Assez ancienne, je pense. Elle est cool. À plus. Voilà, je vous reprends, je suis en train de retourner à la voiture. Trouvaille en surface. C'est ça. Une faux. Une faux. Voilà, je vais pas pouvoir l'emmener celle-là. Allez, à plus s'il y a encore une trouvaille. Sinon, bah, je vous souhaite à tous une bonne détection. Et prenez soin de vous. À bientôt.